Et bonjour. La dernière étape. Ya yelmana la zuru. C'est sur la repentance. Yel san kay. Si vous n'avez pas de péché, yelmana la kabe. Mais ne vous repentez pas. Yel san bi. Mais si jamais il y a un péché, si jamais cela n'est pas confessé, alors celui qui a le coupable est emporté. Et si le péché est résolu, il s'en va. Et laissez le coupable en paix. Laissez le coupable. Mais si vous ne confessez pas, alors le coupable est emporté. Vous voyez. Que ce soit du mensonge, le menteur s'en va. Que ce soit de la fraude, le fraudeur est emporté. Vous voyez, c'est clair. Mais si vous montrez cela à Jésus pour qu'il vous rachète, tout cas le problème va partir. Alors, ce passage s'intitule « Une relation étroite avec Dieu découle de la repentance ». Une relation avec Dieu découle de la repentance. Maintenant, quant à la séparation, découle des problèmes. Dieu n'est pas un Dieu de problèmes. Alors, nous tournons dans Osée 14. Osée chapitre 14, verset 2. Si vous y êtes, nous allons le lire. Ok, Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons des louanges. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. J'aurai pour eux un amour sincère. Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier. Et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'est-ce à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai. Je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit.
Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais les rebelles y tomberont. Gloire à Dieu. Écoutez très bien. Beaucoup de problèmes qui nous tourmentent la vie ne viennent pas de Dieu. C'est quand vous allez bousser vos oreilles, ne voulant pas écouter ce qui vous sépare de Dieu. Étant là où vous êtes, vous avez commis et cela vous a séparé de Dieu. De là, vous voulez l'aide de Dieu. Dieu a appelé Israël. Israël n'avait pas discerné les voies de Dieu. Et cela a été enregistré. Pour les fidèles des derniers temps. Ne pas les imiter. Alors, Dieu a suscité son serviteur Osé. Il a dit au peuple pendant leur souffrance. Voici son message. Israël peuple d'Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. Il a regardé leur vie. Il a sonné les commandements de Dieu. Il a trouvé que la vie que le peuple avait n'est pas en concordance avec les lois préétablies de Dieu. Donc, en analysant cela, il a constaté que le peuple n'était pas avec Dieu. Alors, le peuple était avec qui? Le diable. Et c'était vraiment des souffrances. Il a dit au peuple, revenez à l'Éternel. Sinon, vous n'allez jamais cesser de vous larmoyer. Revenez à Dieu. Sinon, vous n'allez pas bénéficier de longs jours. Revenez à Dieu. Et ayant parlé ainsi, il a dit, quand tu es tombé par ton iniquité, le péché dissocie un homme de son créateur. Si un péché vient sur l'homme de Dieu, il y a une séparation qui s'installe entre lui et Dieu. Le péché est plus fort. Jusqu'à pouvoir lui séparer de Dieu. Et de là le conduire en enfer. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est à cause du péché que vous êtes séparés. Parce qu'il est plus fort que vous. La parole de Dieu qui le dit. Et le mensonge est là et tu n'es pas. Il y a le vol, tu n'es pas. Il y a les fraudes qui peuvent t'amener. Même la colère. L'impudicité a existé bien avant toi. Voilà pourquoi nous disons que ces péchés-là sont plus grands que vous. En fait, ils sont avancés en âge par rapport. Et maintenant, ils sont capables de vous séparer. C'est la parole de Dieu qui le dit. Revenez apporter avec vous. Arrivez. Demandez pardon à Dieu. Dites à Dieu. Et expie nos péchés. Et agrée nos prières. Car nous allons te louer. Si jamais nous ne sommes pas encore expiés de nos péchés et que nous te louons dans les péchés, c'est dans le vide. Dans le vide. Expie nos péchés afin que nous puissions te louer. Les gens pensent que toute louange est dirigée à Dieu. Si à la vie, le péché dans la vie de celui-là qui loue Dieu, le péché est capable de détourner cette louange-là en d'autres directions. Vous voyez? Arrivez, dites à Dieu, pardonne-nous de nos iniquités. Et reçois-nous favorablement.
Si jamais il vous pardonne, après cela, alors agréez ma prière. Voilà ici que le péché aussi empêche l'exaucement de la prière de quelqu'un. Et celui qui demande, il prie, il présente ses requêtes. Et celui qui devrait exaucer, c'était. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, il y a rien qui tenait pas tourner dans le mien qui m'a bien venu à Ziri. Voilà pourquoi l'assemblée devrait aller premièrement dans expie mes péchés avant de commencer à prier et poser toutes les requêtes à Dieu. Mais les gens font tout à l'envers. Vous voyez? Le peuple est allé dire, toi qui nous pardonnes, nous allons te louer. Les Assyriens sont les païens. Nous ne pourrons pas nous sauver. Mais c'est toi notre salut. Nous n'allons plus monter sur des chevaux. Les chevaux sont les courriers des sorciers. Nous n'allons plus monter sur les chevaux. Ton cana un jeune widi la ton cana un lembole et nous a tout ma à tiam ya ton wena. Et nous n'allons plus dire à l'ouvrage de nos mains que ils sont nos dieux. C'est Dieu qui l'a dit. Après la repentance, après la confession, il y a une repentance, se détourner. C'est ce que vous entendez. Ceux-là qui étaient montés sur les chevaux, ils descendent de leurs chevaux. Ceux-là qui s'appuient sur les puissants du monde, eux, ils cessent de s'appuyer sur ces hommes. Pour dire que si la confession est sincère, il doit avoir une repentance totale, se détourner. Les gens ont dit à Dieu, c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. C'est chez toi que l'orphelin trouve la compassion. Mais si l'orphelin vole, si l'orphelin commet l'infidélité et le péché lui sépare de Dieu, il n'y aura plus de restauration sur lui. Non, il n'y aura plus de restauration. Donc il y a qui est bien ouin nam quoi ma pauvre. Alors c'est l'orphelin dans la parole de Dieu. Là il sera où toi? Que la compassion vient. Mais il y a ouin nam un gros massin. Maintenant c'est Dieu qui lève le ton. Avec ce ni un ouin la ouin nam même gomme. Nous trouvons les propos de Dieu au verset 5. Mam chakayam, mam nam manayam. J'aurai pour eux un amour sincère. Je vais vous aimer de tout cœur. Parce que vous êtes venu vous confesser. Et vous avez juré ne plus commettre. Cela a invoqué l'amour sur vous. Une joie a quitté à mon niveau pour venir vers vous. Après avoir obéi. Voilà ce que je vais vous faire. Je serai réjoui de vous. Je serai comme de l'ombrage pour vous. Même si le soleil de la souffrance s'accentue, je serai comme un ombrage de ceux-là qui se sont repentis. C'est vrai qu'il fait chaud, mais mon ombre va vous couvrir. Et le soleil de la pauvreté sévit. Mais mon ombrage va vous couvrir. Hein? Ouais. Dieu dit, Mamnaninga Yamba Barak. Je vais vous bénir. Hein? Bamna Yiwalulugulma. Il sera comme des lits. Et ils vont s'enraciner. Vous voyez? Il est malgré pour décorer chaudement la mamboulie. Voici les décorations après repentance. Y'a m'a yiniri. Vous serez bien propre pari. Kafoutman est à yiniri. Ce ne sont pas les vêtements qui puissent parier quelqu'un, non. Oui, la menga malgré la ta yiniri. C'est Dieu qui soigne pour vous parier. Haya, tu faut pas marier. Oui, la sougou. Si toutefois tes péchés t'ont été pardonnés. Donc, ne pas miwa en cause sougou. Alors si les gens se répandent et que la parure, la beauté ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui reste. Quelque chose reste.
Alors vous devrez être bien beau. Hein? Ouais. Et Dieu déclare qu'il sera comme les Libans. Leur amour va s'étendre. Il sera très beau. Comme des oliviers. Alors c'est que la repentance peut faire à un homme de Dieu. Ceux qui suivent, ils auront une grande renommée. Hein? Oui. Ils auront une renommée. Et ils seront félicités de partout. Parce que les mauvais caractères qui enfouissent les gens, qui ne donnent pas, c'est un égoïste. La bédo. Et Ava, pour que les gens ne puissent pas parler en bien de lui, ce caractère va partir. Ils vont pouvoir donner. Les gens vont en parler. C'est injuste. Il m'a fait du bien. Et il a une bonne renommée. Il a une renommée. Mais si vous êtes animé de mauvais caractère, vous avez des millions et vous pleurez avec quelqu'un qui n'a que 100 francs. Vous pleurez parce que vous avez un mauvais caractère et vous n'aurez pas une bonne renommée aussi. Vous voyez, Dieu dit qu'après la repentance, vous serez comme les arbres de cypress. De surcroît, c'est moi que tu recevras de ton fruit. Et en cultivant, vous aurez de bonnes récoltes. Vont porter de fruits. Comme de vignes. Ils auront la renommée du vin du Liban. Vous voyez. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que sachez que si vous vous confessez et vous ne retournez plus, la bénédiction est grande. Dieu dit, je serai une terre fertile pour celui-là qui a été pardonné. Qui donne de l'ombrage. Voilà que le monde est peuplé de souffrance. Et vous qui avez entendu cela, sachez que les gens ne sont pas dans l'ombre de Dieu. Voilà pourquoi ils souffrent. Sinon, si ils se trouvent dans l'ombre de Dieu, il n'y aura pas de mort prématurée. Je vais en poser un PA pour me défendre. Personne ne voudrait faire du mal à autrui. Parce que vous serez tous dans l'ombre de Dieu. La parole de Dieu dit que ceux-là qui sont sages, réfléchissez à ces choses-là. Ceux-là qui sont intelligents, comprenez cela. Car à ce qui me concerne, moi Dieu, ces propos que je vous ai donnés, si vous obéissez, vous serez juste. Vous allez marcher sur les droits justes. Mais ceux-là qui se mélangent un peu avec le péché veulent marcher sur le chemin de la droiture. La parole déclare et tous ils vont tomber. C'est la voix qui va les repousser. Ceux qui vivent dans le péché qui veulent néanmoins marcher dans la droiture. À moins que vous êtes pardonné. Pas que les gens ne veulent pas que vous laissez. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Vous voyez. Voilà pourquoi vous constatez que les gens se retrouveront. En fait, ils ont commis le péché en cachette et ces péchés se trouvent en eux. Maintenant, à l'extérieur, ils veulent cheminer sur la voie de la droiture. Ils veulent marcher sur la doctrine de droiture. Mais les autres ne voient pas. Mais quand la voie va le rejeter, cela prouvera qu'il n'était pas droit dans le chemin de Dieu. Ce sont des hommes justes. Et confessons, répentons-nous de nos péchés. Et arrêtons de les commettre. Ainsi, nous allons triompher. Masa, à présent, ton attention le cause pour. Nous allons nous repentir. Mam kamiyam daria sobi. Je ne sais pas qui vous étiez. Le problème là où nous croyons. Dieu vous a accordé une grâce. Tiam chaque tiagumna. Croyez en cette parole. Ti pindemandi nous laisse. Non la tiangwe na mengwa. Et puisque ceux d'antan ont
entendu de la part de Dieu, ils sont allés à Dieu. Ils sont allés confesser. Dieu les a pardonnés. En disant, je serai un homme brasse pour eux. C'est toujours le même Dieu qui vous a sauvé. Si vous obéissez à ses propos, il sera un grand ombre pour vous. Il ne quitte pas hors de sa parole. C'est l'homme qui change que Dieu ne change pas. D'Allah nous répentir. Vous pouvez amener Dieu à être votre ombrage. Si toutefois vous vous sanctifiez et vous vous répandez de vos mauvais comportements et votre manque de pardon, la jalousie, l'orgueil et le fraud sur les dîmes, le reste, attends-toi à Dieu. Il viendra. Il va te faire du bien. Mais ce n'est pas l'homme. C'est Dieu en personne qui le fera. Gloire à Dieu. Ensemble, plongeons-nous dans le sang de Jésus. Que Dieu nous pardonne. Au nom de Jésus. Ton nom péril. Il n'a pas de yinga. Il n'a pas de contre-régime à Bada. Yam Sida Hawa. Yarop la Fada. Yam Sida Hawa. 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 Yam La chicane me voit quand tu m'as sens. Un nambouchi, chouguri. Tu vas la chouter en chambre, Dunia. Tu sais qu'à Dijji, ma bala. Ninti le cabé. On a mis ceci là. Y a l'opla parba. Qui le rebouama. Qui le rebouama. Y a l'opla parba. Un chicane me chè. Un chacun tout le monde. Oh, je guama. Toi, on a fait ce film. Bigom, quand on a un gomme. Na ko kene gadeba ti hindera bire nimbamba wa handare shin gadama gomna wa apidi ne ba jugo ti ne ba wa jugo tor maso ne ba wa manam men tor maso wonna huso shida ye ne ba wa shikmen tor maso ob timiti ya nure ha goma ashida ya re kiti shini ga hanta nure ha ta goma shikan le beka na le korap shuguri nan le ko param sugulu to wena maam pam wab sugu to wena nirle ma pam wab sugu lo jasmin presque candidité rubi yassa o rakan tamaya loria sibinda rejis min brise candidité commando roba yassa wakaba wena ma ya yel wena boule ne ba encore masama ne ba mbumba poa ya yel wena boule ba encore ne nur kachet goma la kachet dam tawra on quatrième sugulu abonda yam suguri wena ma se so vima yam se de pindama yam na le tonme yam se fa pindama ye yam na fa tonme wena ho so tora wena se nimban jeta ya tira i kapone ba tebe wa jini yel wena ta sutan lakad ibn yam ye ayo wena ma sulugun geshia mazas muskanti L'orité commandée au Rubia Baba Shin, Lazit Kanti War Godmin Bailos, Priscandilité Dalin, Imalanga Yaska, le chanta papa. Je dis, il y a un régime à Zalem, il y a un régime à Zalem, il y a un darna yolonim kami, il y a un darna yoshikumen ramba. Bez régime à Wanibajut, bez régime à Wanibajut, ne va pas quoi, oh Rabba Yasmas Kanti par. Dieu de victoire. Ya Rob la parba. Sont désormais des femmes. Cette grâce que tu leur as accordée. Écoutez les paroles de l'esprit de vie. Obéir aux ces propos de l'esprit de Dieu. Que la bénédiction de ton esprit descende sur eux. Qu'ils puissent être pardonnés. Dans leurs propos. Dans les pensées de leur cœur. Dieu de toute vérité. En ce moment précis. Je déclare au nom de Jésus.
tous ces gens qui se sont humiliés, tous les anciens péchés, ils avaient commis en ignorant cela, que cela soit pardonné au nom de Jésus. Que cela soit pardonné. Dieu très haut, les péchés qui les avaient séparés de Dieu, comme ton prophète l'a dit, puisque tu les pardonnes, alors qu'il y ait de nouveau une connexion avec le Dieu du ciel, qu'il soit en relation avec les bonnes promesses de Dieu, soit en relation avec les propos miséricordieux de Dieu, Dieu de vérité. Partie de maintenant, alors agrée leur requête, agrée leur requête, ne sois pas voulant leur requête, fais-leur du bien. Nous te prions, te supplions, aie pitié de ces gens, pardonne-les. Toute personne qui a entendu ta parole, qui se rend humble, et depuis le monde entier, que Dieu le délivre, que Dieu la délivre, que Dieu la délivre, que Dieu la guérisse, que ces démons sur les diables triomphent, ce que le diable avait prévu, Dieu très haut, délivre ton peuple et ferme ses yeux, détruit le puissant, et que ces gens soient justes. Tout ce qui a été lu, que cet ombre vienne que cela vienne sur le peuple, que l'homme vienne sur le peuple, qu'il soit des hommes droits, qu'il soit bien, qu'il bénéficie de l'homme, l'Esprit de Dieu, qui demeure en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.